Ok. Arrête de bouger. Allez, let's go. Face lock tête tour, hein. Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et j'ai explosé mon nouveau record de kill en solo vs solo. La game est totalement insane. La dernière fois c'était 19 kills, là cette fois-ci vraiment je suis passé à un cap supérieur et la game est vraiment ouf. Il y aura des turns, il y aura franchement des moves de malade. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, tu seras bien accueilli par les anciens de la chaîne et je compte sur vous pour bien les accueillir dans l'espace des commentaires. Et de le dire bien évidemment si tu es nouveau. Et défonce-moi cette barre de like, partage la vidéo, etc. Fais-la connaître à tous tes potes, mon gars. On est des gros tryhards ici et on l'assume complètement. Enfin bref, on détaillera un peu plus tard la classe. Et là, je vais vous laisser avec ce gros carnage. On a de la chance pour une fois. Pour une fois qu'on tombe sur une bonne arme dès le début, ça fait plaisir. Ok, ça c'est fait. T'es où? Let's go. Il y en a encore un derrière en plus. Let's go. On est déjà à 4 kills. J'ai moyen de faire un gros truc là. Un très très gros truc. Vas-y. Let's go. Super. 8000, j'ai assez pour me prendre un drone. Et en plus de ça, prendre mes classes et tout ce qu'il faut. Ok. Allez, let's go. Attends, on va juste faire gaffe. Ok, y a personne. On prend un drone. Et on va prendre directement notre M4. Ok, c'est good. Let's go. Ok, on a fait gaz. Ils sont où les autres? Il y en a un qui est ici. Ok, l'autre c'est sur storage. Dors, monsieur. Ok, maintenant on est good. Proche là. Ok. Le shop ici. Ok, let's go. On va très vite retourner sur Bonneyard. Ouais, j'ai pas besoin de largage tactique, là je t'avoue que je suis bien. Là, on va plutôt essayer de chercher le frag, il y a vraiment moyen de faire un gros truc. Ok. Ouais, je l'ai entendu, il s'est cassé, il s'est absolument cassé là.
garagé. Ah, il y a encore quelqu'un derrière en vrai. Ah ouais, mais il y a encore v'là le monde. Voilà les véhicules. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Donc il y a un mort. Ok. Ah là là. Ok. Redonne-moi du C4, frérot. Par contre, on n'a pas beaucoup de thunes, hein. Ah, il y a des fights ici. Oh putain, il est vraiment en train de camper au top, là. Ouais, mais tu veux faire quoi? Je peux rien faire. Putain, il était pas au top ce con. Okay. À moins qu'il soit encore au top. Ah mais il y en a encore un en fait. Il y en a encore un. Allez, meurs pour de bon, toi. Ah là là, c'est campeur. Incroyable, non? Non! Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? Je fais même pas. Oh là 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 là. Bon, j'ai droit encore à un kill, là. J'ai droit à un kill. Allez. Let's go. Aïe, 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 aïe. Ça risque d'être plus difficile. Ça risque d'être très difficile. Est-ce qu'on retournerait pas sur Quarry, du coup? Ouais, ouais, je crois qu'il faut que j'aille sur Quarry. J'ai pas le choix. I don't have the choice, bro. Ok, il y en a un côté. On a une usine en plus. Ça va, on est pas... C'est pas dégueu encore, le stuff qu'on a. C'est tout sauf dégueu. Après, on n'a pas fantôme. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Si ça joue capteur cardiaque, il pourra très vite m'identifier. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Ah, je vous ai dit, hein, ça va être hard, hein.
let's go. Il avait pas de plaque sur lui. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ok. Ah ouais, parce que là il me faut un peu mes classes quand même. Hein. Hop. Fais vite. J'ai bien fait de prendre mon largage. Sans prise de hauteur, je serais dans la merde. Et il faut vite que je dégage de quarry. Pas des gens de... Putain, il y a du monde qui se fight là, mais... Évidemment, au pire des moments, toi tu lâches. Au pire des moments, il a décidé de lâcher là. Putain, 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 putain. Ça commence à devenir hard cette histoire là. Merci. Vous êtes dans le top 10, beau travail, merci. Ok, je l'ai tué. On a 20 kills. Record de kills en solo pour ma part. Ok, 21. Ils ont tous fantômes. Là, ça va être un combat de tryhard. Là, je le sens. On a de l'avantage, on n'a aucun intérêt à sortir. Aucun. Il nous manque 4 mecs. Vas-y. Sors, sors, sors. Foutu masque à la con. Ok, t'es mort. Il en manque plus qu'un. On l'a vu. Let's go! Let's go! Let's go! Ouh. Let's freaking go! Ce fut dur. Ce fut très très dur, mais on y est, 24 kills solo. Du coup, on va terminer sur la conception de la classe, comment elle a été réalisée, pourquoi
Et tout ce qui va, bien évidemment. On attaque donc en premier avec le silencieux monolithique. Vous pouvez jouer avec frein de bouche si vous le souhaitez, mais c'est pas forcément très recommandé, surtout si vous avez beaucoup de peine à réaliser vos top 1. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt assez aisé, le frein de bouche est plutôt assez utile. Si vous jouez avec 4 vs 4, vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec le silencieux. Il n'y a pas une convention qui te dit de jouer avec un silencieux, mais le silencieux monolithique est tellement utile que jouer avec, franchement, ça en vaut clairement la peine. Niveau du canon, jouer avec le Corvus personnalisé tireur d'élite, c'est le meilleur des canons. C'est vraiment un élément très important sur la M4. Niveau de la lunette, je joue personnellement, et je trouve que c'est clairement le meilleur, le mini viseur Reflex GI, meilleur des viseurs possibles sur le jeu. Évidemment, tout ça, c'est par rapport au gameplay. Bande, poignée, pointillé, et évidemment, munitions, 60 balles. Par contre, vous pouvez changer certains aspects de votre M4. Si vous n'aimez pas tout simplement le viseur et que vous voulez avoir encore un peu plus d'avantages là-dessus, je vous conseille éventuellement la poignée avant de mercenaire pour tout simplement avoir du précision de tir au jugé. C'est toujours assez important, pourquoi pas, vous pouvez jouer ainsi si vous aimez le viseur de base. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui adore descendre les adversaires très rapidement, mais qui a également un très très bon shoot, effectivement, le fameux chargeur 10 balles qui fait extrêmement mal, qui va faire énormément de dégâts, mais gare à vous, si vous le faites, il va falloir avoir le shoot pour ça, et si vous ne l'avez pas, eh ben vous allez la sentir passer. Donc de nouveau, les goûts et les couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit bye, et à la prochaine, peace out.